Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jessica Gauthier. Pour... Salut, ça va bien? Oui, toi. Hey, de plus en plus, on voit là du monde qui se promène avec justement ça, le petit saut de compression AIDS. Oui. Mais c'est toi la représentante ici au Québec. Fait que exact. Moi, je voulais vraiment que tu m'expliques bon, toutes les choses qu'il y a, mais à quoi ça sert exactement? Exact. Bon, bien, ici, on a le saut complet avec le coût. Ce qui est le fun de ces produits-là, c'est qu'on peut vraiment les acheter séparément. Ça l'aide vraiment, moi, je trouve, généralement, numéro un, là, ma raison préférée pour laquelle je l'utilise. Lors des voyagements, ça l'aide vraiment aux vibrations retardées. Tu sais, quand on fait un long voyage. Pour pas que les chevaux soient raqués. Tu sais, autant avant, après une compétition, ça peut aider à la récupération, à toute éliminer l'acide lactique plus rapidement dans les muscles, etc. Donc, ça l'aide vraiment pour différentes façons. Puis, les différents produits aussi, je vais vous les montrer tantôt. Tantôt, oui, c'est ça, il y en a d'autres. Puis, on peut, si un cheval qui est plus raide du cou, peu importe, on peut y aller juste avec le cou aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir le saut au complet, tu peux y aller en partie. Exact. Okay. Ça se vend vraiment tout séparément. C'est ce qui est le fun aussi. On peut même choisir les couleurs. Il y a des couleurs de base, il y a des imprimés, okay. Même les coutures qu'on peut changer. Ça, on fait ça. Là, notre modèle, ça lui tente de nous montrer qu'est-ce que ça fait lorsqu'elle marche. Mais ils sont vraiment très confortables sur les chevaux. Oui. Les chevaux, ils aiment vraiment ça. Vraiment. Avec les grosses chaleurs qu'on a eues, est-ce que ça pouvait déranger ça ou non? Ça respire super bien. Ça respire en fait, c'est vraiment un linge quand même délicat, mais il est vraiment super durable aussi. Okay. C'est garanti un an si jamais il est souffrant ou quoi que ce soit. Mais à date, c'est vraiment... moi, je l'utilise énormément, la gang de chevaux qu'on a. C'est vraiment... ça tient super bien. Oui, puis tu me disais, tu as vu vraiment des changements. Des changements sur les chevaux avec ça, là. Exact. Tu peux-tu nous en parler un peu? C'est ça. Bien, tu sais, Richie, il est fait quand même long, là, comme vous allez voir. Que si jamais il a eu à maigrir ou quoi que ce soit, ça paraissait quand même super vite. Puis, tu sais, des longs voyages, tout ça, on arrête, on fait des petits stops, puis tout ça, mais ça l'aide beaucoup à, je trouvais, la manière qu'il voyageait, puis tout ça, quand il ressortait de là, tu sais, ses muscles qui étaient frais, tout était parfait. Même, mettons, si on a un cheval qui fait de l'enflure de boxe, n'importe quoi, ça l'aide vraiment à la circulation, puis ça l'active un petit peu tout... Comme si on a un cheval qui a fait de l'acide lactique aussi. Exact. Ça l'aide à l'élimination et tout ça. OK, excellent. Ça se lave bien aussi. Oui. Hein? Machine à laver. Juste pas de sécheuse, parce que c'est quand même un tissu élastique. OK. Mais le restant, c'est ça, les zips, c'est vraiment durable. C'est vraiment le fun à utiliser. Ça va bien. Mais là, on a cette partie-là. Là, on va demander à notre helper, qui est papa, si ça ne te dérange pas de la mettre. On va aller voir sur, dans son box. On va aller voir l'autre. Parce qu'il y a d'autres choses que là, le corps est... Là, on voulait le montrer vraiment sur notre ami Richie. Exact. On a Richie ici. Il porte le masque puis il porte les bas de compression. Fait qu'on a le bleu qui est en fin de compte. On voit bien la caméra, oui. Okay. On a le bleu en fin de compte qui est un même bas de compression comme l'autre qui est imprimé. Mais en plus de ça, il y a des poches qu'on peut insérer de la glace. OK. C'est avant, après une compétition ou quoi que ce soit. Tiens, papa. Puis comparer. Comparer, en fin de compte, les différents produits qu'il peut avoir sur le marché, ça monte au-dessus des genoux puis des jarrets. Fait que c'est ça qui est le fun aussi si on a un cheval qui a besoin de glace pour ses jarrets ou ses genoux ou quoi que ce soit. Ça peut être juste après une compétition aussi pour les détendre un petit peu. On peut mettre de la glace là-dedans aussi. Exact. Puis, mais la glace, est-ce qu'il faut t'acheter des sacs spéciaux ou? On peut utiliser des gels, on peut utiliser de la glace, du dépanneur, un petit peu de la neige l'hiver, surtout même si j'allais utiliser cet hiver, ça coûte encore moins cher, c'est encore mieux. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, c'est réutilisable tout le temps, on peut les relaver comme on veut, c'est vraiment le fun. On a une bande élastique aussi au-dessus, ça tient vraiment bien, même avec le poids de la glace, la compression. Ça tient bien. Donc, si j'ai un cheval qui a un problème, qui a une patte enflée ou j'ai une blessure, peu importe, ça peut aider. Mais il y a plein de raisons, je pense, qu'on peut se servir de ça. Même, tu sais, si jamais vraiment on a une blessure, il existe une couche qu'on peut mettre en dessous du bas, vraiment pour être sûr que le zip affecte pas la blessure. Ouais. OK. Ensuite, on a le masque. C'est ça, c'est un des favoris. Ça, le masque, on a vu plusieurs. On a vu plusieurs cet été. Ça l'attire l'attention aussi, avec le petit costume. En fin de compte, ce que ça fait,
celui-ci, c'est le masque sans oreilles. Puis c'est nouveau depuis ce printemps, il y a un masque avec les oreilles. Puis ça l'aide beaucoup. T'sais, Richie, c'est sûr que c'est une personnalité différente des autres. Mais en fin de compte, ça l'aide beaucoup à un petit peu réduire l'anxiété. Même j'ai eu certains cas qu'il y avait des tics à la pluie, là, le tic du rot. Le tic du rot. Oui. Tu sais, des chevaux plus nerveux, que ça c'est en trailer, c'est kick dans le trailer, ou juste des dépendances affectives. C'est sûr que généralement, on part à la base d'un côté vétérinaire qu'il faudrait que ça aille sain de tout ça. Là, c'est pas du faire d'estomac. Il n'y a pas de douleur, il n'y a non, pas rien. Non, c'est ça, exact. Mais quand on sait que c'est peut-être juste de l'anxiété vraiment que notre cheval fait, bien ça, ça l'aide vraiment à un les calmer. Moi, j'en confort. Ai vu des chevaux que oui, ça a vraiment calmé, puis tu vois qu'ils sont vraiment plus calmes. Exact. Aussi. OK, là, on dit ça, mais Richie, c'est notre Richie, on le sait, là, lui, hein? Il adore jouer Richie. C'est okay. Ça. Donc, il y a ça, puis il y en a aussi, parce que tu disais, il y en a qui l'ont utilisé, mais pour rentrer dans la chute, que ouais. Les gens avaient vraiment on a eu certains cas, tu sais, des chevaux un petit peu plus anxieux, puis quoi que ce soit, ça va aider un petit peu à gérer leur stress. Puis même ceux avec les oreilles, en fin de compte, ça peut même jusqu'à un petit peu atténuer le bruit. Tu sais, c'est des fois des grosses ambiances, comme si c'est quand même particulier. Puis tu sais, certains chevaux, ça peut les impressionner. Puis ceux avec les oreilles, ils ont une base aussi un petit peu plastifiée, là. Fait que ça fait comme un petit peu une acupression au niveau des oreilles. Okay. J'ai vu beaucoup de cas aussi, comme plus des juments côté hormonal un petit peu, là. Ça peut vraiment aider à atténuer un petit peu tout ça. Le mauvais caractère ouais. Qui ressort un peu, il se calme un petit peu. Oui, okay. Ça peut aider. Super intéressant. Mais de toute façon, moi, en dessous de en haut de cette vidéo-là, je vais mettre toutes les informations. Fait que si les gens ils veulent en savoir plus, soit en commander les grandeurs, parce que tu dis, il faut vraiment, il y a des façons spéciales aussi pour exact. Mesurer, pour c'est savoir sur les mesure. Grandeurs. C'est sur ouais. Mesure. Donc, il faut vraiment communiquer avec toi, puis c'est toi qui peux commander ça et tout ça. Ouais. Hey, merci! Et merci à toi! C'est super intéressant de faire une capsule avec toi. Merci fait que nous, on se laisse, puis on se revoit pour une autre capsule.